terrible nouvelle pour les fans de Pierre Palmade. Comme viennent de l'annoncer nos confrères du journal du dimanche, ce vendredi 10 février, l'humoriste a été victime d'un accident de la route et se trouve même actuellement en état d'urgence absolue. D'après leurs informations confirmées par l'AFP, l'homme de 54 ans a été retrouvé incarcéré dans sa voiture après un choc avec deux autres véhicules dans un accident de la circulation. Un accident qui est survenu aux alentours de la commune de Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne en début de soirée. Pour l'instant, les causes de cette terrible collision n'ont toujours pas été dévoilées. À cela, et selon les premières informations dévoilées, plusieurs personnes ont également été blessées lors de cet incident. On compte un enfant de 6 ans et sa mère qui est enceinte, ainsi qu'un autre automobiliste. Le pronostic vital de la mère et son enfant serait engagé. Il en est de même pour Pierre Palmade dont le pronostic vital est engagé. Ce que l'on sait sur ce terrible accident d'après les précisions du Parisien, ce vendredi soir, ce sont pas moins de 3 hélicoptères de la sécurité civile, du SAMU et de la gendarmerie nationale qui ont été demandés sur les lieux de la collision pour les évacuations sanitaires. L'intervention aurait d'ailleurs duré plus de 2 heures. Nos confrères révèlent également que Pierre Palmade a été évacué vers l'hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre. La femme enceinte ou encore l'enfant ont été conduits vers d'autres structures. Crédit photo, Bestimages.